Grenoble, quartier Beria Europol, un laboratoire classique d'analyse médicale. Ici, comme dans la plupart des laboratoires, les protocoles d'analyse sont exécutés par des machines automatiques. Et nous faisons des analyses comme des paramètres que bien des gens connaissent, le cholestérol par exemple, la glycémie, l'urée, l'acide urique, la bilirubine, l'amylase, et voilà. Donc les réactifs se positionnent ici, dans cette zone-là. Donc on installe tout ça, on lance les calibrations et les contrôles. Lorsque les calibrations et les contrôles sont bons, on peut installer nos sérums. Donc on prend nos sérums tout simplement, on les met dans cette zone qui s'appelle STT, donc la zone sérum. Donc on ferme, on démarre informatiquement l'analyse. Cet automate gère donc des analyses de biochimie. Mais pour couvrir l'ensemble des analyses d'un bilan biologique, les chaînes d'appareils peuvent atteindre 10 à 20 mètres de long. C'est pourquoi certains laboratoires se sont tournés vers les scientifiques pour leur demander de réfléchir à la miniaturisation des systèmes d'analyse. On est dans la même situation que l'informatique au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Un ordinateur, ça prenait une pièce entière. Et puis, on a réussi à miniaturiser énormément les transistors et donc les ordinateurs. Ce qui fait qu'on est passé de puissance de calcul dans une pièce entière bien inférieure à ce que vous avez dans votre ordinateur ou dans votre téléphone, même portable aujourd'hui. Voilà, donc l'objectif ici, c'est de miniaturiser les systèmes de laboratoire, donc c'est-à-dire les manipulations de liquide dans des pipettes, par exemple. Comment est-ce qu'on peut faire exactement la même opération, mais 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus petit. Donc la première approche, ça a été de réaliser des micro-canaux. Imaginons plein de petits canaux de la taille inférieure au millimètre, et de réaliser toutes ces opérations dans une circuiterie très complexe à l'échelle de quelques centimètres carrés. Et là, on est tombé sur des difficultés pour manipuler les fluides à cette échelle-là, pour connecter l'ensemble. Et on s'est dit, trouvons une autre solution. Et l'idée a été de supprimer les canaux et de travailler directement sur les volumes fluides. Et grâce à l'électrostatique, on a pu effectuer cette fonction en exploitant le phénomène appelé phénomène d'électromouillage, qui consiste à modifier la mouillabilité d'une surface. On a une électrode. Et quand j'actionne cette électrode, la goutte vient ici, j'actionne celle-là, la goutte vient ici, j'actionne celle-là, la goutte vient ici. 2 cm de côté, c'est la taille du laboratoire développé par le CEA Leti. Voilà, vous avez ici un laboratoire sur puce dédié à la manipulation de très petits volumes de liquide à des échelles de taille auxquelles on n'a pas accès d'habitude avec les outils classiques de laboratoire. Donc le laboratoire sur puce est posé sur ce support ici et on vient rajouter par-dessus un système d'illumination qui éclaire avec une lumière dont la longueur d'onde est bien calibrée et on vient prendre des images grâce à cette caméra ici qui vient faire des photos de la puce. On prend un appareil classique de laboratoire comme cette micropipette qui permet de prélever des volumes qui font à peu près une petite goutte d'eau et on vient grâce à cet outil l'injecter à l'entrée du microsystème. Une fois l'échantillon injecté, on va utiliser uniquement une interface logicielle ici pour pouvoir piloter ce petit volume de liquide. Donc cette gouttelette, pour donner un ordre de grandeur, c'est une petite galette qui fait 100 microns d'épaisseur, donc qui fait à peu près l'épaisseur d'un cheveu. On les envoie dans des réservoirs que l'on choisit au préalable. Et on va, une fois les avoir mis dans les réservoirs, on va dérouler le protocole biologique avec les réactifs qui sont spécifiques. Et on va mesurer en fait l'apparition d'un signal lumineux. Ce laboratoire sur puce atteint aujourd'hui les mêmes limites de sensibilité, les mêmes limites de détection que les appareils classiques du commerce pour les protocoles biologiques de laboratoire. Avec le laboratoire sur puce, la microfluidique vient de trouver sa première application sérieuse. Mais le biologiste Xavier Gidrol a envie de voir encore plus loin. Je pense que ces technologies vont permettre d'individualiser l'analyse biologique. On pourrait concevoir que les gens se fassent de l'autosurveillance médicale de plus en plus. Grâce à leur téléphone, par exemple, on peut très bien rêver qu'un jour vous fassiez une analyse médicale complète sur une goutte de salive ou une goutte de votre sang sur votre téléphone portable, hein, grâce à la microfluidique qui permettra, sur des tout petits volumes, d'analyser des milliers de paramètres concernant votre santé, et qu'on puisse téléphoner les résultats au centre hospitalier ou un médecin.